Bonjour, je m'appelle Camilo Restrepo, je suis le réalisateur du film Los Conductos. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient tout juste d'échapper d'une secte religieuse, après avoir compris qu'il y avait été manipulé. Il doit donc trouver la voie pour réintégrer la société, une société qu'il a toujours maintenue à la marge, où il ne trouve plus sa place. Los Conductos s'inspire des aspects de la vie de mon ami Pinky. Il y joue son propre rôle. Pinky n'est pas un comédien, mais il était très important pour lui et pour moi qu'il s'interprète lui-même. Parce que Pinky, effectivement, il avait été dans une secte religieuse. Il avait été manipulé par un gourou qui se faisait appeler le père, avait compris sa manipulation, avait réussi à échapper, puis s'était mis en tête de tuer ses gourous si l'occasion s'est présentée. On a beaucoup discuté, Pinky et moi, sur ce désir de vengeance, sur les conséquences, et puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais l'aider à tuer cet homme. Et c'est comme ça qu'est né les projets de faire ce film. Il y a donc des aspects de la vie réelle de Pinky, mais je crois que ce côté documentaire, enfin, je croyais au moment du tournage que ce côté documentaire n'était pas suffisant pour rendre compte du questionnement profond que Pinky traversait à ce moment, puisque la manipulation avait brouillé en lui les frontières entre la justice et l'injustice, les biens et les mal, la vérité et les mensonges. Donc j'ai décidé d'intégrer dans les films des personnages issus de la littérature, de l'histoire, qui avaient pour point commun de questionner comme Pinky la morale de la société. C'est donc bien un film de fiction, un film qui part d'un fait fictif, cet assassinat qui n'a pas été accompli, et un film qui cherche à échapper du courant dominant du cinéma réaliste, qui est un peu la marque du cinéma latino-américain. Donc c'est à peu près le résumé du film, j'espère qu'il vous plaira et puis je vous souhaite un bon visionnage.